On dort dans une cave, gros. Santé. Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte de commencer cette vidéo parce que ça annonce des bons moments, ça annonce une bonne vidéo. Je vous explique. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on a créé un petit groupe sur WhatsApp avec Camille, Lucas de Maison Grise, Gizzy et Neoxy pour se dire vas-y venez on part en vacances, venez on fait un truc, venez on part en week-end, on trouve quelque chose. Et ce moment est enfin arrivé. Du coup aujourd'hui c'est le jour, c'est le début. Là je suis encore dans mon appartement comme vous pouvez le voir. Je vais aller chercher Lucas et Camille à la gare de Rennes. On va manger ce midi au local et ensuite on va partir dans notre petite destination dans laquelle on va rester 3 jours. On reste jusqu'à mardi, on est samedi. J'espère que vous allez kiffer ce petit voyage. Moi j'ai trop hâte, ça va faire trop du bien. C'est parti. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup hier j'ai dû finir ma vidéo qui sort aujourd'hui parce qu'on est samedi, donc le samedi je sors une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'avais pas eu le temps vraiment de finir ma valise, du coup je l'ai finie ce matin. Je viens de récupérer Camille et Lucas à la gare. Enfin, en vrai, on a déjà mangé. Et en fait, pour la petite anecdote, Lucas est déjà venu au local, mais pas Camille. Jamais. Du coup, on va faire un petit tour. Et également, ils vont signer sur mon bureau si on retrouve un marqueur, parce que tout le monde signe sur mon bureau. Ah ouais, franchement. Quel honneur. Quelle fierté. Ouais. Juste un truc, il est très beau. Tout le monde s'est vraiment appliqué, donc pas le droit à l'erreur. Non mais dégueu, je me suis entraîné d'ailleurs. Tout est parti, ouais, et du coup c'est un peu chum. En vrai, celui de Michou il est vraiment bien. Celui de Bastos il était pas mal aussi, l'arc-en-ciel. Celui de Matisse il s'est effacé mais en vrai il était mims. Du coup bah voilà, à vous de voir. Du coup on a pas du tout la pression. Ouais, vas-y, moi je fais un truc ici. Ça va être chiant de le colorier parce que la mine elle est minuscule. C'est trop bien un soleil, j'adore quand même. Putain, faut que le monde sache. Je suis trop deg. Ah ouais, en vrai, ça c'est la meilleure arnaque. J'ai tapé dessin facile sur internet. Non. Ah, un nuage! Je te jure, je suis en vrai stressé. Je crois que pas trop rater un nuage. Non. C'est quoi? Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ça part très mal. Je comprends pas. Attendez, c'est pas un nuage. C'est les nuages de demain, tu vois. Nuage 2022. Ce sera comme ça. On dirait une flaque. C'est un carnage. Je fais légèrement comme ça. On va faire un truc très léger avec un. Ah, t'inquiète, Erad. Mais non. Ça y est. Ça y est, c'est fichu. Mais tu as demandé, j'avais même pas la moyenne en art plastique au collège. Tu dois changer un bureau. C'est pas honteux, c'est non, pas honteux. Non, en vrai, ça va. Lucas, on dirait l'enfant à l'arrière. Et ouais, pourquoi j'étais bien à l'arrière. T'es bien, elles sont astuces de dire, ouais, je me sens pas souvent bien en voiture. Ça, c'est la meilleure excuse juste pour être devant. Alors, j'ai un joueur, il s'appelle le croisé bâton. C'est impossible à expliquer, mais en gros, ceux qui connaissent les chiffres romains, la barre, ça fait 1. Le V, ça fait 5. Et la croix, ça fait 10, tu vois. Et le but, c'est qu'on fasse la suite des chiffres romains en mode 1, 2, 3. Mais chacun, on dit un élément de chiffre romain. Puis toi le 2, puis après moi je dis bâton pour le 3. Puis moi je dis bâton et faut bien qu'elle suive, qu'elle dise ok c'est à mon tour de dire V pour faire 4. Par contre on n'a pas la même notion de jeu et d'amusement. Attends, peut-être on peut être surpris, hein, faut laisser le bénéfice. Oui, c'est vrai. Pourtant ça fait des barres énormes. Alors tu commences. Vas-y, bâton. 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 V. Ouais. V. Ok, V. Bâton. Bâton. Non. Je connais même pas les chiffres romains là. Ah ouais, c'est ok, ah ouais. On change de jeu. Bah ouais. Y a quoi comme jeu? Tu penses à quelqu'un? Vas-y, pense à quelqu'un, tu vois. Ok, c'est bon. Tu penses à Michael Miro, le chanteur de Dame Dame. Oh, Dame, il danse lui. Tu danses pour Dame Dame. Est-ce que c'est un mec? Oui. C'est un youtubeur. Oui. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non. Est-ce qu'il a plus d'un million d'abonnés? Oui. Est-ce qu'il a plus de 30 ans? Oui, je crois. Est-ce qu'il est souvent avec quelqu'un à la caméra? Oui. Ah bah c'est Carlito. Non, c'est l'autre. Ah McFly. McFly, putain. J'en ai un hyper dur, ok. Ok, vas-y. C'est mais, toi. Mais enfin, bah non, je ne sais pas du coup. Est-ce que c'est un personnage fictif? Ouais. Ah putain, merde, la plus bonne question dès le début. Est-ce que c'est un perso de bande dessinée? Ouais. Est-ce que c'est dans la bande dessinée Tintin? Ouais. Est-ce que c'est le Capitaine Haddock? Non. Le dernier plus connu. Le chien? Non. Le professeur Tournesol? Ouais. Je me suis dit, c'est incroyable que vous pensiez à ça, tu vois. On arrive à 15h52. On arrive à quand même 52 minutes de retard, hein, faut pas se parler. Ah oui. On arrive à 15h là-bas. C'est horrible. Voilà, ça bouge de ouf. Non, en vrai, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on a pris un Burger King, qu'on a mangé tranquillement en local. Là, il faut absolument qu'on arrive avant, comme ça on choisit nos chambres. Mais oui, j'avoue.
En fait, je les aime pas trop, ceux avec fond vert. Ah, mais bah, on est d'accord. Ouais, ouais. Ah, mais j'osais pas le dire. Venez, on prend notre maison. Ah, ouais. Ou alors, on ferme la porte, tu sais comment on va. Ah, mais si on arrive avant, on peut changer la serrure. Big up à la menteur de la ceinture, merci frérot. One eternity later. Tu t'appliques, hein? Oui, t'inquiète. Vous faites un peu? Oui. Vas-y. Là, il prend trop de responsabilités. C'est que là, là, tu laisses totale confiance, là. Non, en plus, tu pas non, mais vas-y, dégage, sors. Excusez-moi, je la mets où? Je sais pas. Non, mais derrière là-bas, non? Ok. Vas-y. J'ai cru qu'il allait reculer. J'ai dit non, qu'il allait pas se faire. Il va rentrer dans ta voiture. En vrai, no joke, maintenant qu'ils sont en train de partir chercher leurs affaires, on a 5 minutes pour choisir nos chambres. Prochaine, c'est bon. C'est parti, je vous montrerai la maison après, mais on a un dilemme parce qu'il y a une chambre. Il y a une chambre où ils doivent dormir à deux. Alors que les deux chambres là-haut, elles ont des salles de bain. Moi, je propose que Camille et moi, on ait les chambres avec les salles de bain. Bah non. Bah si. En vrai, si celle d'en bas, ça va. Hein. Vite, vite. Bah vas-y. Même de bouclier les escaliers. Je ferme la porte. Vas-y, ferme la porte. Tu vas tout en haut. Comme tu veux, je m'en fous. On fait pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Oh yes. Je monte. À partir du moment où il y a les affaires, ça veut dire que c'est validé, non? Ouais. Non, en vrai c'était un peu une vanne, même celle d'en bas elle est cool, tu vois, mais celle d'en haut. Mais à partir du moment où il y a la valise, c'est validé, non? Normalement j'ai une idée. Les filles vous dormez ensemble. Ah bah oui, en vrai. Ouais. Dans une chambre double. Ok. Et nous, on a tous un double. Je pense en quoi? Bah non. Non, on n'a pas tous un double lit. Bah non. En vrai, je crois que cette drogue elle est trop bien là, avec les deux lits. On a testé là. Ah ouais. Vous serez pas en train d'essayer de nous manipuler là par hasard? Non. Bah, ça, t'imagines. Genre à chaque fois t'avais monté en haut pour aller. Ah ouais, imagine le truc. Oh, t'es sincère ou quoi? C'est ma valise ça. Mais oui, mais pourquoi? C'était parce que c'était ma chambre. Ok. C'est un gros, c'est sur moi pour la chambre en dessous. Mais non, en fait, c'est pas compliqué. On a pas tourné encore. Vas-y, tourne. On joue cette chambre ici. Pas, elle est en équivalent. En vrai, pour moi, la meilleure, c'est quand même celle-là. Elle est quand même kiff-kiff, celle-là. 3, 2, 1. Le vert. Je suis vraiment stressé, premier degré. Oh non. C'est moi, Camille. C'est Camille qui l'a eu. On joue pour celle d'en dessous, du coup. Vas-y. Ouais. Mais à tous les coups, je me retrouve dans la chambre miskine, c'est sûr. Non, ferme-le. Ah, celle-là, les gars. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, s'il vous plaît. Wow, une chance sur 4. Je suis en vert. Je stresse. Ah merde, attends, ouais, putain. Stop, putain, stop, 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 stop. Non, 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 ah, le karma. Bon bah du coup vous pouvez aller voir faire votre petit tirage en bas là. Vas-y, mais je suis jamais de chance, on fait en bas, une chambre cool quand même. Oui. Elle a pas de salle de bain, mais bon, ça c'est un petit détail. Voilà. Elle a pas de dressing. Ça veut dire que là vous partagez votre salle de bain. Il y a un super hôtel là. Attends les gars, en vrai il reste bien, il y a assez longtemps qui est bien. Non, c'est trop comme réaction. C'est un peu disproportionné. Non mais là en vrai c'est cool quand même. Ah, celle-là est lourde. Ouais, celle-là c'est la meilleure. Bah après moi je dis ça parce que nous on s'en fout. Voilà, c'est ça. Ça a des stories. Attends, mais là la vue incroyable. Tu peux te faire gosser. Mais y'a pas de vue incroyable ici, c'est là gros. Mais t'as la vue sur ma voiture. Mais gros, y'a les poubelles juste là. Bien vu. Gros, tu vois ton lit d'orange, t'as juste à faire. Non, attends, gros, tu veux pas être débité par cette chambre. Gros, t'as pas sur le sort, attends, c'est toi. Mais oui, gros, cette chambre, c'est pas du tout. Allez, vas-y, vas-y, c'est parti. S'il vous plaît. Yes. Non, c'est ma chambre, gros. C'est ma chambre. Oh, c'est ma chambre. Oh non, mais gros. Non mais Gizzy, il est où? Mais Gizzy, c'est pas grave, ça va aller hein. Gizzy, c'est pas grave, ça va aller. L'important c'est de participer. Gizzy, si tu veux, devant ma chambre il y a un petit salon avec un canapé, tu peux dormir dessus. Parce que nous on a un petit salon, pardon, ouais. C'est pas le moment. Arrêtez, c'est un moment difficile pour lui s'il vous plaît, donc un petit peu trop passion. Je suis dans la même merde que toi et pourtant je suis trop content. Après mec, la Belgique c'est un super pays. Ouais, t'as un bon appart là-bas. T'as son charmé de ouf. Ta petite capuche là, t'es tout mignon. Ah ouais. Ah non, t'as un iPhone gros.
Oh la dinguerie. Il a des doigts vraiment beaux. Ah ouais, ouais, franchement. Oh, petit beau gosse là. Tiens, Guiris, tu veux. Oh, gros, c'est pas grave. Attends, gros, je filme mon passe Navigo. Oh, beau gosse. Faut qu'on se dépêche peut-être parce que le temps de mettre tout dans le dressing. C'est vrai que ça va être de mettre les trucs dans la salle de bain. C'est vrai que la salle de bain est grande et tout. Bah, ça me demande un temps d'organisation quoi. Mais non, tu sais, mais dis-toi qu'elle a de la marche et tout, faut qu'elle traverse le dressing pour aller dans la douche, donc tu vois. C'est ça. Tu peux te confesser. Ça, c'est le confessionnal. Je pars. Je dois me confesser. Mais en fait, là, je te vois, en fait, t'es toujours là. Mais j'ai un truc vraiment important à dire. Mais je m'en fous, je vois pas. Mais y'a pas de PQ. Mais je vais me confesser, cassez-vous. Mais en vrai, si tu peux me confesser avec moi, t'es avec moi. Bah ouais, en fait. J'ai l'impression que tu vas vite oublier, en fait. Bah voilà, les jeux sont faits. Moi, j'avoue que tout à l'heure, je le prends bien, mais je l'ai un peu en train de la gorge. Moi, je l'ai. Parce que j'ai quand même l'impression, je me dis, attends, en fait, ça serait complètement fait baiser. Je sens que ça va être le pire week-end de toute ma vie. Mec, je pense que là, t'as juste peut-être un tout petit peu, quand même. Mais gros, on est dans une super cool maison. Ouais, j'ai quand même passé des pires. Ouais. On dort dans une cave, gros. En plus, ils sont en train de plus en plus tomber avec nous. Bah voilà, moi, sachant que j'ai un peu le seum, parce que en fait, dès que je suis arrivé, j'ai voulu la bonne chambre, parce que voilà, pour des conditions idéales de travail. Imaginez, vous faites par exemple, genre 600, 700 km et vous vous retrouvez dans une cave. Et genre, je trouve la maison. Ouais. Donc je trouve la maison pour tout le monde. Je trouve la maison pour tout le monde. Ouais. Donc, on recherche, mais comme ça. Non, mais t'avais qu'à y penser, t'avais qu'à trouver une maison avec 5 chambres. Pardon, faut arrêter de vous casser la gueule comme ça. On a la pire chambre à deux, genre, tu sais, on a des lycées par. Il y a même pas de place, genre, dedans. Ouais, c'est vrai, ça. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, pour plus de. De mon courage. Non, mais regarde ce plomb là, on se croirait dans l'espace. Ouais, c'est incroyable. Tu vas accélérer d'un coup, tu vas te prendre la caméra dans le visage. Ouais, il va falloir qu'il fasse attention. Ok. C'est vrai que je préviens à ce point là. Vas-y, mon petit pote. Il y a un petit peu. On a dit le d'un coup, elle est. C'est ça que t'as essayé de faire avec ma voiture, parce que c'est normal qu'elle a grincé des pneus là. Hein. Ah, regardez. Mais non. Non. Et voilà, ça c'est mieux. Oh, c'est nous, c'est pour le matin. Laisse notre compote tranquille. Tiens, ça c'est lourd. Il y a rien qui va. Je vais pas ranger les couilles. Vas-y, respire. Mais regarde, on met des chiffres là où c'est lourd. Tiens. Oui, mais par contre, tu fais toujours chier là. Vous avez pris 5 saucissons? Mais c'est la base. Vous êtes oh, non, mais voilà, mais voilà, vous parlez de notre compote. Les mandarines, je vous jure solennellement qu'il y en aura 2 qui sont mangés. Oh là 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 là. Attends, parce qu'il a tout rangé. J'ai voulu bien faire en fait. Vas-y. Oh putain, il a mis un portable celui-là. Oh, combien? C'est combien? Je vais le prendre. Santé. Santé, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et à vous abonner à la vidéo. Par contre, c'est incroyable. Je me suis rendu compte que je t'avais même pas montré toute la maison. Là, il y a un premier salon avec la première terrasse. Là, du coup, c'est la chambre de Guizine et Oxy. La chambre de Lucas, une salle de bain. Et ensuite, on monte à l'étage. Et là, c'est l'espace principal, quoi. Voilà. Franchement, c'est beau. C'est pas super beau. Ça, c'est beau, ça. Elles sont où les pommes de terre C'est au four, mais il y a un four. Mais par contre, c'est incroyable. C'est incroyable. Vas-y, refais un truc avec ta main. T'as la transition. Ça fait très diva, quoi. Salut, bonne nuit à tous. Bonne nuit au vlog. Le secret pour dormir vite, c'est écouter un son, le bruit de la pluie, de l'orage. C'est un petit secret de vie, c'est incroyable. Tu écoutes, t'écoutes? Non. C'est ta bruit de pluie sur YouTube. Ouais. Des vidéos de 10 heures où t'as le bruit de la pluie. Un conseil pour dormir vite? Pour dormir vite, en fait, tu te tords la nuque, hop, et normalement, tu dors. Ouais, c'est pas un souci, c'est un réel. Moi, j'ai qu'à m'allonger, peu importe la surface, peu importe le temps, et je m'endors.
Ouais, moi aussi, mec. Ah, je te connais pas, vas-y. Ah ouais, t'en as fait moins qu'un. Ah non, je te connais pas, vas-y. C'est qui ce gars là? Qui l'a invité lui? Mais je rigole! À demain! N'oubliez pas, dormir, c'est important pour la santé. Oui. Et tu restes là? Moi, je te vois là. Ah, ok. Je suis mieux que dans. Bah oui, tu m'étonnes, je me disais aussi. Bisous les loulous! Alors ? Ouais, je pense qu'il y a un trou dans le mur. Parce qu'en fait, à force de me retourner et de faire au moins 3-4 fois cette nuit, je pense que j'ai dû réveiller Lucas. C'est vrai que c'est un petit peu petit, quoi. Ouais, ouais, c'est un petit peu petit. En plus, genre, tu sais, limite, ils auraient pu mettre une couette un peu grande, tu vois. Mais non, parce que tu sais, tu te retournes un peu, t'es en dehors de la couette. Genre, je me plains pas, genre. Je veux dire que je dors quand même dans un lit. C'est oui, pas rapport à non, vous. Mais oui, c'est pas rapport à vous que je me plains parce que oui. Vous avez un beau lit de glace très grand, assez grand par rapport à mon lit. C'est parce que finalement t'as pas eu beaucoup de chance sur la roulette quoi. C'était surtout de devoir la céder à Camille et moi quoi. Oui, bonjour, je vous appelle parce que ma collègue m'a appelé il y a quelques minutes par rapport à faire un golf. Je sais pas si j'ai expliqué, on met 5 et j'ai cru entendre que c'était a priori une super prête, c'est ça? Après nous on a un peu d'expérience là-dessus mais c'est pas mais... En fait c'est... Un golf ou pas ça tu vois. Et c'est-à-dire c'est tous les... on alterne tous les quoi tu vois, tous les... à tous les trous. Comme il est en train de réussir. La voiturette. On va dire à 13h, je vais demander à mes collègues, 13h ça te dirait. Nickel. Et putain, il réussit. On voulait savoir si c'était possible de faire votre voiturette. Wow. Genre elle nous dit, en fait dans les règles du golf faut être 4. C'est pas du tout le Covid hein. T'as dit on a un peu d'expérience. Mais pourquoi t'as dit ça hein? J'ai pas dit. Mais elle va être là, elle va nous voir, on va même pas taper la balle. Et là quand je l'ai appelé à l'unité, tu lui as dit on a jamais touché un peu de golf. Bah là, mais entre temps, on s'en va pas. Lucas a réussi à négocier un golf. C'est pas à cause du Covid qu'on doit jouer à 4. Oui, c'est ouf ça. Non, c'est parce que dans les règles du golf, il faut jouer à 4. Sauf que nous, on est 5. Et peut-être même, on va avoir une golfette. La deuxième journée, ça va être sur la chaîne de Camille qui a ouvert son vlog. Qui va vlogger cette deuxième journée. Donc, toutes les aventures au golf et la suite de notre journée, ça va être sur la chaîne de Camille. Ça sort lundi à 17h sur la chaîne de Camille, la suite de nos aventures. Allez!